Ok les gars, let's go, je me fais une petite session là, motivé. J'y vais sérieusement. Il faut que je reparte avec des skins que je retire. Parce que je suis trop dans l'euphorie ou je suis trop dans l'émotion. Soit dans le positif ou dans le négatif, à chaque fois c'est ça. Code Malek CSGO les gars sur Hellcase. Go soutenir à fond. Rebichiri direct, non, je suis malade. J'ai dit qu'on était sérieux, donc on commence avec... allez, Diamond. Je vois que monsieur Batad... Ah ouais, mais ça coûte cher aussi, frère. Hein, d'accord. Je pensais que c'était une petite caisse à 50 euros. Ok, Hellfire, marqué par les combats. C'est pas grave. Pas grave, faut persévérer. Faut garder quand même un peu d'espoir. Faut se dire que c'était... Attends, depuis quand elle coûte aussi cher cette M4, wesh? Bon, je me suis fait douiller, mais... Du 2 pour 1 là, mais je pensais pas qu'elle était aussi chère cette M4, wesh. Ça veut dire que si je l'ai en bonne condition, il y a moyen on était en bénef. Les Deagle Code Red, ça coûte encore moins cher, c'est nul. Ah ouais, là le Deagle par contre, c'est d'accord, c'est l'URSAF. Ah, le site c'est ok, c'est un pot.gouv le site là. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? 186, ça se transforme en 25. Alors pour ceux qui veulent comprendre, c'est quoi les impôts? Voilà, c'est ça, c'est Hellcase. Voilà, c'est les impôts. Voilà, c'est ça les impôts. Le prélèvement à la source. Ah là, c'est là, faut arrêter là, wesh. Couteau? Ok, couteau. Couteau, c'est bien. Non, même là, il a réussi à me douiller. Même là, il a réussi à me douiller le site. Voilà, ça y est, je suis parti en tête à tête avec la caisse. Je veux un bénef. Voilà, je m'en fous, je veux un bénef. Je pars pas d'ici tant que je suis pas en bénef. Bon, je me barre. Cette caisse, vas-y, c'est de la merde. Fuyez cette caisse, ne l'ouvrez jamais, qu'on soit bien clair. C'est très grave. Voilà, très très grave. Non, 200 balles la caisse. Je pars avec des skins à 40. Ok, Bloodsport, je valide. Bloodsport, c'est validé ça, monsieur. Ça, Bloodsport, je prends. Une belle dédicace à Patman. Ouh, c'est du bénéfice en plus. Minimal wear stat track. Allez, je réouvre une deuxième, c'est pour le plaisir. Ça là, c'est pour le plaisir. Et allez, ça part même en upgrade. Ok, Golden Koi. Golden Koi, c'est pas mal. Allez, je l'upgrade. Juste pour le plaisir, je l'upgrade. Ça peut le faire. Fauchon Fade. Ah, Fauchon Fade, c'est quand même stylé, hein, Fauchon Fade. Yes! La gauche, les gars. La gauche. J'avais dit que cette caisse. Oups, c'était upgrade direct. Allez, hop, c'est bon. Ok. Ça gagne un fauchon fade. C'est positif. Je retape un couteau, les gars. Je retrais et je give away un skin. Voilà, comme ça, on part dans les... Est-ce que j'ouvre des caisses de fou? Est-ce qu'on part sur des caisses de malade mental ou pas? Allez, fuck à longue, les gars. Putain, les super conducteurs. Là, tu m'aurais mis bien, frérot. Putain, c'est naze. Aïe aïe aïe, M9. Ok muchacho, j'ai gagné une M9. Je regarde. Oh putain, mais frère, le site il sait trop me parler, frère. Le site il sait me parler. Il sait. Temas qui me met dans les yeux comme ça là. T'imagines, là je peux repartir avec ça là. Les gars, je l'upgrade ou je retire? Franchement. Au gourmand. Ouais non, vas-y, j'arrête. Vous avez raison. Non, j'arrête. Qu'est-ce que je retire, les gars? Qu'est-ce que je retire? Vas-y, je vais prendre le classique en vrai. Je pense que classique, ça se retire avec le combo. Vous avez réussi, opération réussie. Ok, déjà le classique, ils l'ont. Je vais le retirer, je vais regarder la flotte. Et on est en 0-11 de flotte. Allez, bon, j'accepte le trade. C'est accepté, messieurs, dames. Faisons un petit reveal. Bon, c'est un régular de ouf, hein. C'est vraiment un pas de pattern. Ni diamant, ni angel, ni rien du tout. Bon, là, il y a un demi-diamant, quoi. Allez, si tu veux un peu raconter ta vie. Mais en vrai, non, il n'y a rien du tout. Bon, c'est un classique, quoi. C'est un classique, les amis. Un peu scratché, là. Pouah, il est vraiment pas top. Il est vraiment pas top. Il y a moyen, je le trade. Contre le même, bien évidemment, mais en meilleure qualité. Je rajouterai un peu de mes skins à moi pour le trade. D'ailleurs, c'est plutôt bien dans les sites où tu peux trade. En général, tu prends exactement le même skin, mais ils ont des patterns et des flottes différentes et c'est au même prix, donc tu perds genre, allez, 3, 4, 5% de valeur, mais je pense que des fois, tu peux trouver des pépites. Moi, ça m'est arrivé de trouver des pépites.